Podcast. Pour une fois, on va directement dans le sujet. Je n'ai pas fait de prologue, épilogue et compagnie. Donc, je suis un briseur. Un briseur de gens, d'idées, de pays, de rayons, de monde. J'erre à travers les dimensions pour échapper à mes suiveurs qui veulent que je brise le dernier rempart d'un monde. Un monde tenu par la force de rayons, dont il n'en restera bientôt qu'un seul. Et ils me veulent moi, car je suis le meilleur briseur. Vous devez certainement penser que c'est une malédiction, et je pense comme vous. Un lourd fardeau qui m'oblige à fuir constamment, et parfois même m'oblige à suivre des ordres que je ne comprends pas. Il m'est souvent difficile, voire impossible, de saisir si briser quelque chose est pour le bien ou le mal. Ce qui est certain, c'est que j'emporte les débris de ce que je brise avec moi. Mais être le meilleur, c'est aussi pouvoir apercevoir le meilleur. Lorsque je commence mon travail, j'entrevois toutes les tonalités de ce que je saisis, toutes les nuances, toutes les notes, ce qui est répugnant et ce qui est merveilleux. Chaque parcelle, chaque atome me dévoile ses facettes, celles d'ombre et celles d'arc-en-ciel. Un jour, j'ai rencontré Bobby et Carole. J'ai entrevu leur future vie, celle de toute une génération qui allait être marquée au fer rouge par une guerre. Ceux qui allaient mourir armes en main, de la maladie, de leurs cauchemars et en défendant leurs idées. Mais Bobby et Carole survivraient. Devant cette génération pleine de haine et de souffrance, je gardais le souvenir de Carole et Bobby dans mon esprit. Je vis tout ce qui fut brisé autour d'eux, mais je ne pouvais rien changer. Je ne sais pas réparer, recoller, réanimer. Je ne suis qu'un briseur. Alors je décidai que ce souvenir devait perdurer ne serait-ce qu'une nuit, qu'un instant. Je m'emparai du gant de baseball de Bobby qui avait été volé puis utilisé comme objet de pénitence par Willy l'aveugle. Il ne se pardonnerait jamais de n'avoir pas arrêté son camarade dérouillé une fillette, même après avoir sauvé Sully de façon héroïque. Je pris le livre qui avait été transmis de Bobby à Carole, puis à Pete, qui était et est resté un bon gars, pas trop impliqué, pas trop amoché. Et lorsque Sully, tourmenté par ses cauchemars, était en train de s'y faire entraîner, je lui fis parvenir le gant et une page du livre à l'intérieur, rendant sa mort moins pénible. Et ainsi, le souvenir merveilleux que j'eus de cette génération brisée se répéta une dernière fois en rassemblant Bobby et Carole, grâce aux gants et aux livres. De tous les débris noircis et puants qu'il restait, je choisis de me souvenir de ce ciel étoilé et de cette odeur de rose que partagèrent ceux que j'avais tant chéris. Oui, je sais, il y a des chats ninjas qui coupent des oignons. Je vais aller leur donner quelques macros. Merci et à bientôt. Ah, merci Huan, c'était trop bien. C'était merci très beau. Merci à vous. Ouais, tu m'as mis les poils. Ouais, c'était. J'ai vraiment eu la chair de poule. Cool. Ouais. C'est pour ça que j'ai dû. Un beau prologue au prologue. C'est pour ça que j'ai dû faire pas mal de recherches. Ça m'a pris pas mal de temps quand même. Faut essayer de retrouver les interactions entre les persos. C'était un peu compliqué pour moi. Non, mais franchement, le point de vue de Ted avec une vision un peu externe, c'était très beau. Merci. C'est peut-être plus proche de la réalité que tu ne le penses. Oui, effectivement. En fait, c'est toi, Stephen King. Elle enlève son masque. J'aurais préféré Emma Green, mais on peut pas tout avoir. Oh, ça manquait de tentacules chez Magrine aussi, je suis désolé. Ouais, exactement. Il y avait un robot, mais bon, après, c'est notre histoire.
Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent, deux fois par mois, en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Bonjour à vous qui nous écoutez. Vous avez des choses à dire ? N'ayez pas peur et prenez le micro. Que vous aimiez discuter avec des amis ou que vous ayez une envie débordante de partager votre passion ou de développer votre business, faites-vous entendre. Avec Acast, rien n'est plus facile que de lancer son propre podcast. Lancez-le, développez-le et générez des revenus en rendant votre podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Rendez-vous sur acast.com pour vous lancer. Et c'est gratuit.